Après une pause de 3 ans, le classique tournoi du temps des fêtes d'André de Grasse est de retour. L'objectif, permettre aux jeunes de s'épanouir à travers le sport. L'athlète olympique a passé la première moitié de son enfance à Scarborough avant de déménager à Markham. Selon l'ancien basketteur devenu sprinteur, le sport a une grande influence dans la vie des jeunes. You know, sport is it's an avenue to do anything in life. It teaches you resilience, communication, hard work, dedication. It gives you all the attributes to, you know, go out into the world and you know, pursue your dreams. Le sprinteur canadien a d'abord grandi en jouant au basketball avant de se lancer dans la course. Pour plusieurs adolescents, ce sport est plus qu'un refuge, c'est un tremplin. For a lot of people, basketball is really all they have. Like, I mean, some people, they might not have family, they might not have money. And with basketball, all you do is you dribble the ball and it comes back up to you. So it really has your back in a way. So I feel like basketball is so important for young men to have, a sport to have. I feel basketball gives me like a lot of confidence because when I'm with my teammates like on the court, I feel like that's when I could like express myself the most and like that's where I feel like the most free. Basketball helps me a lot, especially when I'm not feeling good or like I'm angry. It helps me relieve stress and a lot of other stuff. Le maire de Toronto, John Tory, était aussi de la partie. Il tenait à souligner les efforts de ces jeunes. C'est nécessaire pour nous de supporter les jeunes parce que les jeunes sont le futur de notre ville et de notre pays. Le médaillé olympique espère que la participation de ces jeunes joueurs leur donnera la confiance dont ils ont besoin. Les profits du tournoi seront versés à la fondation de la famille André de Grasse et à Jeunesse J'écoute. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto.